Ça peut varier entre un quart, voire la moitié du prix en économie, surtout avec l'augmentation qui est prévue par le gouvernement dans les prochains mois. Le paquet de cigarettes, si on n'en achète pas à rouler, est à environ 8 euros en Allemagne et 10 en France. Il y a de la viande, il y a des légumes, des fruits, des féculents, il y a de tout. Et pour même pas 250 euros, alors qu'en France, on en aurait eu pour au moins 400 euros pour ce caddie-là. L'inflation en France, on la sent tous, je pense, et du coup, ben, forcément, on trouve les moyens les moins chers pour se nourrir. C'est clair qu'on a toujours intérêt à aller faire des courses en Allemagne. Simplement, sur l'alimentaire, c'est moins intéressant. Et surtout, si on a un panier moyen qui est en dessous de 100 euros ou en dessous de 50 euros, ça ne vaut plus le coup, compte tenu, en plus de ça, du carburant qu'il faut effectivement prendre en compte.